Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom de l'épisode 2 Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc on en profite pour faire le plein, on répare, on ravitaille. Ensuite nous allons aller voir donc les missions disponibles dans cette station, pardon, et Egeta Ring. Ok. Ah, on a quelqu'un à aller sauver sur une planète, ça pourrait être intéressant. Oh, l'homme le plus recherché! Ah oui, par contre, on n'a pas le niveau. Ah oui, d'accord. Je pense que c'était les missions terrestres. Les voies spatiales sont tous sauf sûres, donc voler des produits, ça ne m'intéresse pas. Trafic humain, bois, 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 bois. Transfert rapide, alors ça, par contre, je connais le principe. Hein. Bon, allez, on va le faire. Ça va nous changer un petit peu des stations de combat, enfin des combats, des différents combats. Hop. C'est parti. Alors, dans le cadre de cette mission, nous devons nous rendre dans le coin. Hop. Nous devons nous rendre ici, donc juste à côté, donc à BD plus 3356, donc nous avons pu visiter dans le précédent épisode. Donc on va y aller. On va y déposer 8 tonnes de cuivre, chers amis. Et ensuite, on va devoir aller ailleurs. On va voir où est-ce qu'on va devoir se rendre. Alors, cette mission est disponible grâce au fait que nous ayons actuellement le rang d'entrepreneur. Je précise au passage que dans les prochaines mises à jour, et je crois même que c'est dans la prochaine, ces rangs-là, en fait, ne seront en fait que des rangs qui indiqueront une difficulté. Ils ne seront plus nécessaires pour lancer une mission, mais ils indiqueront bel et bien une difficulté de mission. C'est-à-dire que normalement, quand vous serez... Par exemple, moi je suis actuellement expert en combattant, expert combat. Si une mission réclame le niveau, imaginons, élite, carrément, ou létal, ce sera considéré comme une mission extrêmement difficile. Voilà l'utilité des rangs, donc l'utilité qu'auront les rangs dans les prochaines mises à jour, ou la prochaine mise à jour, je ne sais pas exactement quand est-ce que cela sera pris en compte et mis en fonctionnement dans le jeu. Voilà pour ce qui est de cette petite information. Donc bien sûr aussi, alors, autant ce fameux rang augmentera aussi... alors, voilà. Le rang de cette mission, en fait, permet de simplement d'avoir une idée de votre niveau dans le jeu. Et bien entendu, donc cette qualité de mission, ce niveau de difficulté incorporé donc, dans la mission, aura aussi un impact extrêmement important, on va dire, sur le gain qu'il y aura en fin de mission, la récompense de fin de mission. Il faut savoir que les quêtes seront complètement remaniées prochainement. Je crois même que c'est vraiment dans cette prochaine mission. Hein. Whale City. Alors, je crois que ça va être assez loin. Non, ça va. Donc ces quêtes seront complètement remaniées, hein. Que ce soit au niveau de leur gain. Hop, voilà. Bonjour à toi. Donc ces quêtes seront complètement remaniées. Et il y aura donc, dans le cadre de ce remaniement, donc des modifications quant à la façon de prendre une quête. Les conditions pour prendre la quête qui seront différentes. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup moins de missions dans une zone où vous serez neutre, et aucune, ou presque, dans une zone où vous serez hostile. Donc c'est le principe, hein, je précise. Hein. Donc voilà pour ça. Les types de quêtes que vous trouverez dans chaque système seront beaucoup plus dépendants du style de système, du système économique, du système en question. C'est pourquoi, par exemple, vous ne trouverez pas de mission de minage, par exemple, dans un système d'agriculture, par exemple. Voilà, c'est ça, tout simplement. Donc, voilà pour ce qui est de ce genre de choses. Je vous ai parlé donc des niveaux de mission vis-à-vis des rangs de combattants, de commerce et d'exploration.
Donc, et toutes ces informations, toutes ces variables auront un impact sur la récompense de fin de mission. Votre niveau, le niveau de la mission en lui-même aussi, mais aussi votre niveau, et aussi auront un impact vos factions, vos réputations, donc dans les différentes factions du jeu, les factions principales, et aussi les factions secondaires normalement. Donc ça, c'est encore une fois, c'est ce que je crois avoir compris. Voilà, entre guillemets, le principe. Cet homme tend à se mettre derrière moi et je n'aime pas ça, regardez, sur le radar. Hop, les, je l'ai eu. Wouhou ! Trop balèze. Ok, on se propulse. Flight assist off. Hop. On en profite pour... Docking request granted. Hop. Voilà, on va essayer de le faire en... Hop. C'est balèze, hein, c'est chaud, hein. Oh la vache, ça tourne. Faut que je l'arrête. Ah, oh, c'est chaud, j'arrive pas à me repropulser. Oh la vache. Ah bah non, c'est pas la peine. Faudra que je m'entraîne avec ça, chers amis. Hein. Bon, ne perdons pas trop de temps. C'était rigolo. Maintenant, faisons ce que nous avons à faire. Hop. Puis cet atterrissage 3, elle est juste là. Ok, en douceur. Landing gear deployed. Hop, les. Voilà. On est un peu bourré pour se poser, mais c'est pas grave. Service de spatioport, tout à fait. On fait le plein rapidement, hein, c'est pas pour 30 crédits. Alors. Transfert rapide, donnez la... Quoi ? Oh, fallait la trouver. Bah, va te faire entuber alors. Va te faire entuber, mon ami. Excuse-toi. Hop. On récupère 400 000 crédits de notre précédent épisode. Tableau d'affichage, est-ce qu'on a quelque chose de plus sympa à faire dans la région? Et aussi de plus rentable, ce serait bien. Mission de surface? Ah, une mission de surface, ça peut rapporte rien. Elle ne rapporte strictement rien, ces missions. Oh là là, la catastrophe, quoi. Non, non, c'est bon, j'ai bien compris le principe de ces deux trucs-là, je n'en veux plus. Bon, remarque. Pour le principe, pour le fun... Bon, non, ça me tente pas plus que ça. Honnêtement, ça me tente pas plus que ça. Est-ce qu'on a des, de la cartographie? Non, rien du tout à revendre. Qu'est-ce qu'on a pas loin? Qu'est-ce qu'on a pas loin? Hop. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui passent par ici. Hein. Hop. Imani, ça peut être intéressant. Hop, allons voir là. Ça m'intéresse. Une exploitation minière, on a avec un petit peu de chance, on peut peut-être avoir un bon petit RES, bien discret.
Et on verra ensuite ce que ça va donner. Ship released. Engines engaged. Ok. Il y a un bout de vaisseau qui flotte dans la station, c'est génial. Et il y a toujours ce pilote. Ce pilote, vous voyez qu'il m'attend toujours dehors. Hein. Et je n'aime pas ça. Landing gear retracted. Hop, dommage. Dommage. Bon, eh bien soit. Allons-y, chers amis. Frameshift drive charging. Allons-y. C'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé de véritable pirate. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être vraiment sympa. Mais bon, c'est comme ça. 4, 3, 2, 1. Engage. C'est comme ça. En même temps, je suis en train de réfléchir à ça. Est-ce que j'ai vraiment les capacités de battre un joueur? Ça m'arrivait tellement peu souvent, chers amis, que je commence à me poser des questions. Alors. Ici, en tout cas, c'est pas ici comment trouver un joueur. Hein. Soyons honnêtes. Fuel scooping complete. Ok. Fuel scoop disengaged. C'est parti alors. Drive charging. Allons-y. Imani, nous sommes donc à deux doigts d'être au lieu que nous cherchions. Four, three, two, one, engage. Alors. Hop. C'est parti. C'est là que les Athéniens s'atteignirent, comme on dit. Fuel scooping. Ok, si tu veux. Fuel scoop disengaged. Sécurité moyenne. Cependant, on a une grande zone. Voyons voir. Revenons deux secondes ici, chers amis. Carte de la galaxie. Est-ce qu'on peut acheter des données dans ce système? Aucune. D'accord. C'est drôlement intéressant. Sommes-nous vraiment dans le bon système? Ça commence à me poser des questions. Étrange. On a une épave ici. Non, ça ne m'intéresse pas plus que ça, l'épave en question. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez y faire, chers amis? On pourrait peut-être simplement se balader dedans, remarque. Je ne sais pas. Je suis assez déçu, à vrai dire. Soyons honnêtes, je suis vraiment assez déçu. Assez déçu, ah oui, pas assez décès, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ah bah voilà une bonne chose. Où est-ce qu'elle est? Elle est juste derrière nous. Une source de signal non identifiée, ça peut être sympa. Hop. En fait on est en train d'en faire le tour nous aussi, chers amis, malheureusement. Hop, parfait, on y est. Hop, c'est parti. Alors, qu'allons-nous y trouver? Oula. Un petit peu de monde là par contre. Killback. Vaisseau transporteur. Légèrement armé. Ok, à côté un T9. Un T9. T9 qui est un vaisseau vraiment très intéressant. Qui me plairait énormément d'avoir pour augmenter au mieux mes rangs de commerce. On a un T6. Un Adder. Et un Sidewinder. Étrange qu'ils se trouvent tous les deux sur la même route.
Ça m'intrigue à vrai dire. Ça m'intrigue énormément. Mais pourquoi pas, hein. Hop, barrons-nous alors. On a vraiment pas de bol sur ce coup-là. On a vraiment pas de bol. Moi je bois un coup. Alors, on va peut-être pas mettre autant de puissance dans les propulsions, dans les propulseurs ou dans la propulsion. On a un vaisseau dans le coin. On va essayer de d'aller voir ce que c'est que ce vaisseau. Est-ce qu'il est amical ou non? Ah, il s'est barré. Quel dommage. Ici, on a la balise de navigation classique. Est-ce qu'il y a du monde autour de la balise? On peut aller voir, ça peut être rigolo. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Source du signal forte. Ah! Là, il y a quelque chose d'intéressant, chers amis. Là, il y a véritablement quelque chose d'intéressant. Alors, si on peut s'en approcher suffisamment rapidement, ce serait par contre beaucoup mieux. Alors, en douceur. Tout en douceur. Alors, je veux juste voir ce que c'est que le... Diamondback Scout. Diamondback. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Honnêtement, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais, si possible, être en mesure de m'en approcher. Est-il possible que ce soit possible? J'arrive plus à parler, chers amis. C'est terrible. J'arrive plus à trouver mes mots. J'ai trop parlé. Ça y est, c'est la fin de la journée. Il me resterait normalement une vidéo à tourner derrière. Je pense que je vais la tourner demain matin. Tant pis, je vais prendre sur mon week-end. Alors. C'est bon, on y est presque, on bourre. Hop, c'est bon. Aha! Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oula. D'accord. Ah mais vous êtes tous ensemble en fait les mecs. Mais vous êtes pas drôles. Je m'attendais à un vrai truc moi. Je m'attendais à un vrai truc. Là franchement c'est pas drôle. Vous me pétez mon délire. Bande de nazes. Putain. Oh la haine. La haine. Oh c'est bon. Ah je suis vexé. Honnêtement je suis vexé. Un orca. Il peut pas. Techniquement il peut pas être recherché. C'est pas possible. Voilà. Bon dommage. On va prendre ça, c'est pas grave. On va le louper, c'est pas grave. Allez. Pas trop loin s'il te plaît, pas trop loin. Ok, on devrait être bon. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose dedans? Par contre, ça c'est une autre histoire. Hein. On n'en sait strictement rien, ça arrive. Hein. C'est des choses comme ça hein, qui arrivent dans Elite Dangerous. Hein. Et c'est aussi ça, un hein, sandbox. Hein, c'est de devoir chercher beaucoup de choses. Et sans forcément avoir toujours une réussite. Hein. Surtout dans un univers aussi grand. Littéralement, quand le mot univers est employé ici, c'est véritablement l'univers. Hein. Le cosmos. Mais non, c'est pas encore vous. Ah, il est recherché. Ça y est, on va faire quelque chose. Ah, je suis pas le seul à le bourrer, le machin. Pauvre homme. Il va tellement en prendre plein les dents, quoi. Ah, j'ai pas assez de... Boum. Et il y avait un Eagle dans le tas. Où il est le Eagle? Où il est le Eagle? Toujours 20 000 crédits de fait, hein, je suis désolé. Hein. Moi, je m'amuse. Tant pis si je vais pas les récupérer, hein. Ça m'arrive de pas les récupérer, honnêtement.
Boum. Explose pour moi. Boum. Aha. Ok, ça c'était cool. Bon. Bon. Faudrait que j'aille voir les différents rangs que je puisse faire. Faut vraiment que je me concentre sur ces rangs, chers amis, un de ces quatre. Ah là là. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet. Juste pour voir, chers amis, on va aller voir dans Cartes de la Galaxie. De mémoire, l'un d'entre vous m'avait parlé, je crois que c'était LG, de 17 Draconis. Hop. Ah, c'est assez loin, apparemment. Hein. Oh la vache, oui, c'est vraiment très très loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai dans la zone, là, ici? Un ami, d'accord, ok, pourquoi pas. C'est un Draconis, c'est donc... Ah, d'accord. Énormément, donc, de kilomètres. Ok. Enfin, d'années-lumière, hein. Je dis kilomètres, c'est pour rigoler, hein. Mais oui, il est énormément d'années-lumière. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'il paraît-il que pour monter... L'Empire, il n'y a pas mieux que là-bas. Et ça m'intéresserait, parce que l'Empire a de très très beaux véhicules, très très beaux vaisseaux, pardon. D'ailleurs, j'attends avec impatience, vu qu'on parle de véhicules, j'attends avec impatience de voir les différents esservés, suivant les factions, parce qu'il va y en avoir, j'espère qu'il va y en avoir, il va falloir qu'ils arrivent très très vite d'ailleurs. Donc, suivant les factions, et aussi, j'attends autre chose, on nous a parlé, rabâché du fait qu'il y avait beaucoup de mystères, beaucoup de secrets sous la surface des planètes. Et j'attends toujours de pouvoir trouver des grottes dans le jeu. Ce serait génial. Là, je comprends pas tous les... Pratiquement... Enfin, canyon exclu. Entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Toutes les planètes sont plates. What the fuck? J'ai bien dit fuck comme un fuck. Hein. J'aimerais qu'on m'explique hein, le pourquoi du comment. Honnêtement, j'aimerais qu'on m'explique. Source du signal faible. Ah bah faible, non, ça m'intéresse pas. Écoute. Faible, ça ne m'intéresse pas. Je préfère quelque chose de balèze, moi. Ok. Vous n'avez pas plus balèze que faible? Ah! Potentiellement, il y a du fun là-dedans, normalement. Potentiellement. Je suis désolé, je suis encore malade. Il reste encore du truc dans le pchit. Il reste plus beaucoup de trucs dans le pchit. Hop, on va essayer de se mettre bien en face. Hop. Waouh, c'est d'une violence, chers amis. Quoi? Pourquoi décélérer? J'étais parfait. C'est faux, j'étais parfait. J'étais parfait. Blah. Je suis vexé. Je suis complètement vexé, chers amis. J'étais parfait. C'est le frein automatique qui a pas marché comme il fallait. Vilain. Bon, là, il va pas marcher non plus, normalement. Ah oui, là, je suis baisé. Non, ça passe? Oh, ça passe. Incroyable. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça passe du tout, là. Alors, qu'est-ce que... Ah non. Ah non, c'est une drôle de blague. Effectivement, je rigole, mais là, il faut pas se... Source de signal... non identifié. Alors, qu'on m'explique. Ce qu'il y a là-dedans. Attendez, il l'a pas... Il l'a pas prise ? Je suis encore à 813 km. Il est pas rentré dedans. Mon vaisseau n'est pas rentré dedans. 4, 3, 2, 1, c'est quoi ce bordel? Bah non, en fait c'est juste un bug d'interface pour le coup. Ok, génial. Ah non, c'est la fausse joie du bug d'interface. C'est la fête. La fête. Bon, on va retrouver autre chose.
On va retrouver autre chose, c'est pas grave. On va se diriger vers là-bas, tiens, pour le fun. 206 SL, bah, 206 000 SL. Bien sûr. Bah écoutez, on est parti, chers amis. On y va. Ah bah attendez. Ah, il y a quelque chose. Croisez les doigts, serrez les fesses. Lâchez votre joystick. J'ai lâché le mien, je suis sur le volant. Ah. Alors, ça marche pas quand j'utilise le volant. Ok. Non, ça marche pas. Je vérifiais, j'avais un doute. L'espace d'un instant, j'ai eu un doute. Bon, alors, soit au signalement identifié, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant, si possible? Parce que si vous me dites que non, bah écoutez, moi je vais aller me faire foutre, et puis je vais rentrer dans une station, et puis je vais... Let it be, let it be, let it be, let it be. On va laisser les choses être comme elles sont. Ne fous pas de ma gueule. Oh la vache, ça va jouer à rien. Hop les. C'est bon, derrière la génération activée. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Alors, Anaconda, vaisseau de... Oh putain. ASP Explorer, Christopher Blair. Ah, Christopher, as-tu été un bon garçon? Apparemment, non. Scan detected. Christopher, t'es pas un bon garçon? Target shields offline. Est-ce que je touche encore? Oui, apparemment je touche encore. Ok. Scan detected. Wow! Les autorités qui passent devant moi. En mode ran à foutre. Lui, il a vraiment cru qu'il allait pouvoir me faire un face-à-face, quoi. Hop, les, c'est fini. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'amuser dans la région? Un deuxième ASP Explorer, tiens donc. Vous vous êtes quitté, ton mec et toi, et vous assumez pas de l'avoir fait juste avant de vous faire assassiner, ou c'est quoi le principe? Ouais, c'est un peu ça, hein. Ça met dans l'ambiance souvent un tir d'accélérateur à placement. Ah, je vois que je suis pas le seul à l'utiliser d'ailleurs. Ce qui est toujours une excellente nouvelle. Hein. Enfin, pas pour les points de vie de l'ennemi en tout cas. Ouf, ça touche. Anticipation du mouvement, chers amis. Hop, et voilà. Et tu vas faire boum. Quand dans ton cœur ça fait boum. Ah, voilà, ça se passe plutôt bien. Bon, bah écoutez, on va aller à 47i, ça me dit quelque chose, 47i, c'est marrant. On va aller à Vendémo. Bah ouais, on va retourner à Vendémo après tout, pourquoi pas? On est con. Et... c'est une bonne station. Hop, vu qu'on a déjà fait des missions pour eux, après tout, pourquoi pas? En plus, on est toujours dans la Fédération, on peut peut-être espérer d'avoir une mission de rang, ce qui serait toujours intéressant. 3, 2, 1, engage. Hop. Je coupe le micro un instant, j'en profite. Hein. Voilà, re, chers amis, excusez-moi. Hop. Alors. Fuel scooping. Mais d'accord, Vendémo, c'est bien un système avec. Voilà, et j'ai ta ring. Ou alors on va à Stephenson Progress. Allez, pour la blague, on va aller se poser sur une planète, chers amis, ça fait longtemps. Ça va nous faire du bien. Hop. On va aller se poser sur une planète et puis on va se laisser là. Une fois qu'on se sera posé. Ce qui me permettra d'aller mettre vos vidéos en ligne. Et d'aller me soigner pour mon état grippal ou ma grippe, on ne sait pas trop vraiment dans quel état je suis.
à l'heure actuelle. Si c'est vraiment une grippe ou un état grippal. Alors, comptez avec moi. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf et vingt. Parfait. 20 gouttes. Pour ceux qui reconnaissent le médoc, rien qu'à cette prescription, entre guillemets. Alors. On fait tout ensemble, chers amis, on dort ensemble. D'ailleurs, Corgi, la prochaine fois que tu viens dormir dans mon lit, pense à mettre une capote, que t'en as mis partout. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Corgi qui prend pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Ça me dérange pas que vous venez dormir chez moi. Mais ne dégueulassez pas le lit, s'il vous plaît, merci. C'est des conneries que je raconte, hein, mais c'est comme d'habitude, hein, je raconte tout le temps. Alors, Stephenson's progress. Bonjour. Des bibis. Des moi. Alors. C'est génial, je vois que la planète. Enfin, que la ville est de l'autre côté de la planète. Ou en tout cas. Nous n'en sommes pas très loin. C'est un monde glacé? Quelle a l'air très jolie de loin comme ça, dis donc. Hé hey. Mais c'est que ça m'a l'air très sympa tout ça. Orbital flight engaged. Oh dis donc, et la planète a l'air géniale. La planète a l'air complètement géniale. Sortie de l'orbite. On s'approche. Hop. En douceur. Descente terminée à environ 15 km de la station. Pas trop mal. On va tout mettre donc, en boost. Hop. On n'est pas trop mal sorti. Cool. Ah, je suis vraiment content. J'espère par contre qu'il y a de quoi se poser sur la station. Oui, parce que je précise, c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours des... La capacité de se poser tout simplement. Ah bah là par exemple il n'y a pas. Là il n'y aura pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc alors du coup? Oh. D'accord. Aïe. J'ai failli... Bah je me suis crashé littéralement. M'attendais pas à être aussi haut à vrai dire. Mince. Je voulais regarder, en plus je regardais un truc à côté. Et c'est quoi cet endroit en fait? Est-ce qu'il y a des ennemis? Tourelle de défense, tourelle de défense, tourelle de défense, tourelle de défense. Ok, on va voir quand même ce que c'est vite fait. On sent les trains d'atterrissage aussi, ce serait pas mal. Landing gear deployed. C'est assez plat, on a de la chance, hein. Hop. D'accord. C'est tout mais pas là en fait. Comment ça t'es rien approprié? J'étais très très bien il y a deux secondes. Ah mais...
Mais j'étais très très bien il y a deux secondes. Oh. Ah. Mais non. Ok, c'est bon. Ouh, tant bien que mal. Hein. Déployons et allons voir ce que c'est que cet endroit. Ok. C'est parti. Ok. Ok, pourquoi pas. Faut pas la scanner. Intéressant. Ah, c'est vraiment un monde glacé en fait. Hein. Ah si, voilà, accès aux données publiques. Cool. Compilation du dossier d'information. Pourquoi pas? Ça m'a donné quelque chose, non? Ah oui, cette information d'une valeur de 11 000 crédits, d'accord, pourquoi pas? Ah, c'est glacé, chers amis, je glisse sur la route. Vous avez vu? C'est vraiment un monde glacé en fait, hein. C'est particulier à conduire. Sans assistance, est-ce que c'est mieux? Alors si des gens sont au courant, chers amis, si en fait. Quand assistance, c'est... Alors est-ce que ça veut dire que j'ai l'assist ou pas? Ou ça c'est sans assist en fait? J'aimerais comprendre. Ok, on va faire un petit peu de... De merde, oui, effectivement, on peut dire ça comme ça. Ok. Ok. On va aller voir par là, après tout, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a quelques minerais à récupérer dans le coin? Mouais. De toute façon, je vais encore perdre mon temps là-dessus, c'est marrant. Aïe. Je me suis pris un facial. Bon, je crois que c'est pas la peine, hein. En plus, j'ai beau tourner le volant, ça a du mal à tourner. Vis-à-vis du type de sol sur lequel on est. Hop. Hop. Voilà. Ah, là il y a quelque chose. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'était celui-là. Ok. La tourelle se met en position. Oh là là, la gravité. La gravité, pas de la situation, chers amis, mais... Ok. Du carbone, génial. Je peux me faire un crayon papier avec ça. Là, juste là. Hop. Allez.
Ok, c'est bon. Ouais, et ben on va pas rester sur la planète très longtemps, chers amis. On va rejoindre le vaisseau. Hop les. Allez. Allez. Oh nom de Dieu. Et Dieu sait qu'on en chie. Pour rejoindre ce maudit vaisseau. On va ramasser ça. Hop. Hop. Non. Crac, c'est petite escapade de fin de 20 épisodes, chers amis, on va dire. Hop. Ok. Ok. On voit la zone où on est censé pouvoir re-rentrer dans le vaisseau. Hop. Hop. Embarqué. C'est ici, pardon. Et nous allons nous laisser cette planète. J'ai envie de voir en fait si on peut reprendre la planète d'un point de vue où on est. Enfin, si on peut reprendre une partie, littéralement, entre guillemets, directement posée sur la planète et redémarrer, entre guillemets, décoller de la planète vers l'espace directement sans avoir à être téléporté par le jeu, entre guillemets, en dehors de la planète. Donc voilà, bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce briser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom pour faire se redire dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, et moi je vais mettre vos vidéos en ligne, chers amis. Donc, à tout de suite, et à plus en même temps. Wow, je suis complètement à côté de la plaque aujourd'hui, je crois que c'est pas la bonne journée là. Hein, pas du tout.